Notre invité aujourd'hui, Alojz Peterle, Monsieur Premier Ministre de la République de Slovénie. Faut parler. De lui, de Funès. Quel premier souvenir? Je m'entendais très bien avec lui. Voter pour une chèvre ou un chat, je sais pas encore, on va voir. Faut des primaires. Merci Michel Palmer. Et merci encore une fois d'avoir fait ce long voyage jusqu'à Dakar. Nous étions aussi, et là j'ai trouvé un peu fou d'afficher qu'on était pour l'indépendance. Geneviève, bonjour. Bonjour Morgane. Mes parents nous ont bien élevés, c'est vrai. Il m'arrive plus souvent qu'on se balade dans les rues de Paris depuis que je suis devenu un afro dans le monde. À situation d'exception donc, personnage exceptionnel puisque j'ai rendez-vous avec Olivier Stirn, le ministre aujourd'hui conseiller de Nicolas Sarkozy. Olivier Stirn, l'icône de la prédiction politique qui a prédit il y a plusieurs années à rebours à son ami Martin Luther King qu'un jour il y aurait un chef d'État noir aux États-Unis d'Amérique. Et un peu plus récemment, au début des années 2000, a prédit qu'après Jacques Chirac, le prochain président de la France serait Nicolas Sarkozy. Comment il fait? Qui est cet homme qui a travaillé avec De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac et aujourd'hui Nicolas Sarkozy? Les réponses sont à l'Élysée, c'est à quelques pâtés de maison d'ici. Bonjour Olivier Stirn. Bonjour. C'est un plaisir de nous accueillir, de nous recevoir ici. On vous a sollicité, vous avez réagi spontanément, positivement. On vous décrit comme quelqu'un qui est toujours ouvert, prêt à tendre la main aux autres. J'essaie, oui. C'est un réflexe naturel chez moi. Et je pense que tous les hommes ont droit à la même dignité, et en particulier ceux qui sont dans le malheur ou la souffrance. Et donc, en effet, j'essaie de... dans la mesure du possible, de les aider. Alors, vous êtes né le 24 février 1936 à Boulogne-Billancourt, arrière-petit-neveu d'Alfred Dreyfus. Ça, c'est énorme. Alors, je commencerai par vous montrer une photo, justement celle de votre arrière-oncle. Racontez-nous un peu qui était Alfred Dreyfus pour les téléspectateurs, nos téléspectateurs du monde qui ne sont pas forcément en prise avec l'histoire française. Ben, au 19e siècle, il y a eu une histoire qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Mon arrière-grand-oncle, capitaine Dreyfus, était en effet polytechnicien. Et c'était à l'époque extrêmement rare qu'un juif puisse rentrer dans l'armée française. L'armée française était assez réactionnaire à ce moment-là, et les juifs n'y étaient pas les bienvenus. Et il y a eu contre lui un montage. On a fait croire qu'il avait trahi la France au profit de l'Allemagne avec des pièces qui se sont avérées ensuite fausses. Mais sur le moment, ça fait une histoire énorme et les Français se sont divisés entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Et on a compris à l'époque ce qu'était l'antisémitisme, qui était à ce moment-là d'ailleurs un peu encouragé par l'enseignement catholique et chrétien, qui disait que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus. Tout ça a disparu. Mais c'était une époque, et c'est intéressant de voir combien cette histoire a fait couler tellement d'encre en France et dans le monde. Et a énormément clivé. On se rappelle d'ailleurs, pour l'histoire, c'est important pour nos téléspectateurs, qu'à l'époque, à la Chambre des députés, même Jean Jaurès s'est monté à la tribune contre lui. Oui, c'est vrai qu'au départ, la gauche avait des préventions parce que les Juifs étaient assimilés à des banquiers riches, etc. Et la gauche avait des préventions à ce moment-là. Quand Jaurès s'est aperçu qu'en effet, c'était un faux procès qu'on faisait à Dreyfus, il a changé. Et la gauche française a soutenu ensuite Dreyfus. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait un préjugé là aussi, qui était fort et qui malheureusement a joué. Moi, je me suis juré, quand j'ai connu cette affaire tout petit, que ma mère m'a montré des lettres que le capitaine Dreyfus lui avait adressées quand il était prisonnier
à l'île du Diable, en Guyane, comme Bagnard. Je m'étais juré, et ça a été confirmé par la guerre, que je lutterais toute ma vie contre toute forme de racisme, qu'il soit anti-noir, anti-jaune, anti-musulman, antisémite. Je considère que le racisme est une déviation extrêmement grave qui peut conduire à des extrémismes extrêmement critiquables. Et justement, quand vous en parlez aujourd'hui, beaucoup d'années après, on sent une pointe d'émotion. Oui, parce que j'ai essayé d'avoir une valeur fondamentale dans toute l'action politique que j'ai pu mener, c'est de donner à chaque homme sa dignité et de lutter contre tous les racismes. Je l'ai fait en particulier à l'égard des Noirs, puisque je crois avoir connu de façon très amicale ceux qui ont été les apôtres de la négritude, c'est-à-dire ceux qui ont redonné confiance et dignité, de la dignité aux Noirs. Oui, au noir. J'ai connu le pasteur Martin Luther King, en effet, dont j'étais devenu un ami à Atlanta. Et puis, je lui avais dit, un jour, il y aura un président noir aux États-Unis. Lui-même ne le croyait pas. « Oh my God, I cannot believe it », m'avait-il répondu. Mm. Et puis, finalement, c'est arrivé. Je sentais que le courant qu'il était en train de construire conduirait à cela. J'ai connu aussi Mandela. Vous alliez lui rendre visite à Robben Island durant sa détention. Oui, quand il était prisonnier. Ça, c'est une longue histoire. J'avais été chargé par le président de la République de l'époque, qui était Valéry Giscard d'Estaing, de représenter la France à une négociation avec les Africains du Sud pour l'indépendance de la Namibie. Et nous étions 5, un Américain, un Britannique, un Canadien, un Allemand et moi. L'Américain, c'était Cyrus Vance, qui était à ce moment-là secrétaire d'État aux Affaires étrangères. L'Anglais, c'était David Owen. L'Allemand, c'était Genscher, qui était ministre des Affaires étrangères en Allemagne. Et le Canadien s'appelait Danielson. Et moi, je représentais la France. Et j'avais dit au président Giscard d'Estaing, avant de partir, je suis très flatté, très honoré de négocier cette indépendance de la Namibie, mais ce que j'aimerais, c'est voir Mandela. Et le président m'avait dit, mais ça, c'est un rêve, vous n'y arriverez pas, jamais les Africains du Sud ne vous autoriseront. Puis la négociation avait duré, elle avait été difficile, et il y avait une altercation extrêmement violente qui avait failli dégénérer, même en pugilat, entre le président de l'Afrique du Sud de l'époque, qui s'appelait Peter Botha, et le ministre allemand, Genscher. Un extrémiste, hein, Peter Botha. Il était difficile, difficile. Et j'avais aplani les choses, j'avais arrangé un peu, et si bien que finalement on était arrivé à un accord, après 4 jours de discussion, et le président Peter Botha m'avait pris à part pour me dire, écoutez, je vous remercie beaucoup, vous m'avez bien aidé dans ces négociations, maintenant la Namibie va pouvoir être indépendante, et je mets un avion à votre disposition, vous pouvez aller où vous voulez en Afrique du Sud pour visiter le pays. J'avais dit, écoutez, monsieur le président, je vous en remercie, mais moi ce que j'aimerais, c'est voir Mandela. Alors, il avait un petit sursaut, pendant une minute, il n'a plus rien dit, il devait réfléchir, et puis il m'a dit, finalement, bon, après tout, pourquoi pas. Donc j'ai connu Mandela en prison. C'est un homme que j'admire beaucoup. D'abord parce qu'il a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud, comme d'ailleurs le pasteur l'avait fait aux États-Unis. Mais surtout parce qu'il a su pardonner. Voilà un homme qui a été en prison pendant 27 ans à cause des Blancs, et qui, à peine arrivé au pouvoir, fait un gouvernement d'union et rapproche les Blancs des Noirs. Ça, c'est un geste qui est, à mon avis, un geste de grandeur qu'il faut souligner. Alors, on a fait un grand bond dans l'histoire. Je propose qu'on y aille de manière progressive. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes né avec une cuillère en or dans la main? Je vois qu'élève, vous étiez inscrit à Janson des Saillies, dans le 16e à Paris, pour nos téléspectateurs qui regardent. C'est un lycée où on ne voit que des enfants issus de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie parisienne. Alors, est-ce qu'il vous reste quelques souvenirs de Janson des Saillies? Bon, oui, mais d'abord, il faut quand même rappeler que mes premières années ont été très difficiles. Parce que c'était la guerre, mon père était dans la résistance et en fuite, et nous étions pourchassés par les Allemands, et nous avions souvent pas de quoi manger. Je faisais des allées et venues entre les lycées où mon père était affecté, dans les villes où il était affecté, et Janson de Sailly,
qui était le lycée où mon père et mon grand-père avaient déjà étudié, et où mon fils, d'ailleurs, ensuite, a suivi notre chemin. Donc c'est un lycée qui est en effet, c'est un des bons lycées de Paris, et il l'est resté. À l'époque, d'ailleurs, je me souviens que les classes n'étaient pas mixtes encore, elles le sont devenues ensuite. Alors, quel camarade de promotion vous avez connu à Jean-Zon Desailly est devenu illustre par la suite? On sait que Robert Badinter, Lionel Jospin, Giscard d'Estaing, Arnaud Lagardère, c'est autant de personnages qui sont passés par là. Oui, avec lequel de ces personnages illustres? Je ne les ai pas connus à Janson, d'abord parce qu'ils n'étaient pas tout à fait de ma génération. J'ai connu le fils Bloch l'aîné, qui était un garçon, Jean-Michel Bloch l'aîné, qui était dans ma classe, lui, qui était un homme qui a fait depuis une grande carrière dans la banque. Mais c'est surtout ensuite, quand j'ai été à Sciences Po, que j'ai connu alors un certain nombre de personnages qui allaient devenir célèbres, comme Célière, qui est devenu le président du patronat, ou comme Jacques Chirac, que j'ai connu à ce moment-là. Il a 4 ans de plus que moi, mais il commençait l'ENA quand je commençais Sciences Po. Nous étions amis, nous sortions à ce moment-là en tant qu'étudiants avec les mêmes filles et nous étions devenus... Justement, parlez-nous un peu de cette adolescence. Vous sortiez avec les mêmes filles. Quelles sont les figures tutélaires qui vous faisaient occuper les dance floors à l'époque? Quand vous sortiez avec Jacques Chirac, par exemple, c'était quoi vos distractions favorites? Non, Jacques Chirac, déjà, était ce qu'il allait devenir. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait une capacité d'entraînement, un charisme, un enthousiasme, une espèce de joie de vivre qu'il a gardé longtemps. Et il avait aussi déjà la passion pour les arts premiers. D'accord, donc c'est pareil ça. On croit que c'est venu tard chez lui. Non. Déjà, quand il était étudiant, je puis témoigner qu'il adorait les arts premiers, aussi bien les arts africains que les arts asiatiques ou que les arts d'Amérique indienne. Et Jacques Chirac, à ce moment-là, courait les expositions, tout en faisant de la politique. Il était plutôt à gauche à ce moment-là, d'ailleurs. Il courait que les expositions? Il allait dans les expositions pour voir les pièces des arts premiers. C'était sa passion et ça allait rester, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de votre entrée à Sciences Po. Est-ce que c'est une trajectoire académique qui a été définie par vos parents ou c'est une émanation personnelle? Non, c'est moi qui l'avais décidé. Avec déjà l'idée de m'en servir ensuite pour faire de la politique. Je suis sorti comme sous-préfet, après les concours, mais j'aurais pu suivre la trajectoire de mon grand-père et de mon père. Mais en fait, très vite, je suis devenu chef de cabinet de ministre et ensuite député, et puis ministre. D'accord, donc vous avez posé vos baluchons dans la Meuse en 61, oui. Pour occuper votre premier poste. Mais avant d'y arriver, votre père était préfet, vous me disiez tout à l'heure, et magistrat aussi à la Cour des comptes. C'est important de préciser tous ces détails pour tous ceux qui ont l'hypertrophie du détail vrai. Mais racontez-nous un peu l'ambiance à la maison. Comment se passait une soirée chez les Stirn à l'époque? Maman tricotait, papa écoutait Chopin, Pechbel? Non, ma mère ne tricotait pas. On parlait beaucoup politique. On parlait de l'avenir de la France. J'avais 4 frères, 2 qui me suivaient, avec lesquels j'avais été élevé pendant la guerre. Et puis, mes parents ont eu ensuite 2 autres enfants. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs aujourd'hui, est au Conseil d'État. Il est président du contentieux au Conseil d'État, Bernard Stirn. C'est, je crois, un éminent juriste qui, d'ailleurs, fait des cours à Sciences Po et à l'ENA. Nous parlions politique, mais nous parlions aussi sport. N'est-ce pas? Toute ma famille était très sportive. Et on aimait déjà le football et un certain nombre d'activités sportives. On jouait naturellement au tennis, on faisait du ski, donc on parlait beaucoup de sport, mais aussi de politique et de l'histoire. Et c'était lequel de vos frères qui était le plus facétieux? Oui, c'était, je crois, moi, le plus facétieux. J'aimais bien les blagues et j'aimais bien faire rire mes frères, qui étaient d'ailleurs un très bon public. Merci, Olivier Stirn, pour cette première partie de l'entretien qu'on va ranger dans les placards de l'histoire, puisqu'elle appartient au passé désormais. Je propose de se payer le luxe d'une transition en sonorité africaine. Vous connaissez un peu la musique africaine, Olivier Stirn? Oui, bien sûr. Alors, on écoute quelque chose et puis on se retrouve dans les jardins de Marie pour la suite de l'émission. Thank you.
zukum yeniye mambo aniye radia fe na lo flazo kwe yanywa zwe bezu kwe yanywa zola bese batiti yenye yenye niye tutele atra nzilia oyele zule o jimambo jimambo J'étais bien chez moi, sous mon petit toit. Tu as débarqué chez moi, tu m'as imposé ta loi. Tu as racheté tout chez moi, je n'ai plus de toi. Immigré chez toi, je suis exclu par ta loi. Sans papier, je suis sans papier. Sans papier, je suis sans papier. Cela y était comme on dit hoy y était toi kaka y en mes lingua si a moi je m'amour je m'amour je m'amour je m'amour. Tu es venu chez moi, tu as racheté ma terre. Tu as tout pris chez moi, tu m'as arraché ma terre. Je n'ai plus rien chez moi, je viens me chercher sur ta terre. Tu me rejettes chez toi, je suis exclu sur ta terre. Sans papier, je suis sans papier. Sans papier, je suis sans papier. Oh, oh, y'a l'oblé, oh, oh, y'était comme on dit, oh. Oh, y'a m'koumo, y'a m'bain lingua si a moiti. J'ou m'ammo, oh, yeah, 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 yeah. J'ou m'ammo, oh, yeah, 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 yeah. Coopérant chez moi, clandestin chez toi. La différence c'est quoi? Blanc c'est blanc, noir c'est noir. Sans papier, je suis sans papier. Sans papier. Je suis sans papier. Sans papier. Je suis sans papier. Y'a pas besoin. Sans papier. Je suis sans papier. Retour plateau avec Olivier Stirne, le ministre Olivier Stirne, aujourd'hui conseiller de Nicolas Sarkozy, ici même au Palais de l'Élysée. Olivier Stirne, merci de nous accueillir avec beaucoup de, avec tant de chaleur. Avec plaisir. Alors, plus de 40 ans que vous travaillez dans les cercles du pouvoir, la coopération avec l'Afrique,
vous connaissez forcément. Est-ce que vous êtes réceptif, comme Chirac l'était, de l'Asie, des arts premiers? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la culture africaine? Presque tout, parce que finalement, d'abord, l'homme vient de l'Afrique. Soit les premiers hommes étaient africains. Et une bonne partie de notre culture, que ce soit dans la peinture, dans la musique, tout l'art moderne est inspiré par l'art noir. Oui, on a vu Picasso avec le cubisme. J'ai commencé à l'apprécier, à le connaître, en 1966 déjà. J'avais accompagné André Malraux et le président Senghor au premier festival des Arnais, à Dakar et à Gorée. Et c'est Malraux qui m'avait dit, Malraux qui connaissait bien ma famille, et qui, je crois, m'aimait bien. J'étais tout jeune à ce moment-là, chef de cabinet du ministre de la Coopération. Et Malraux m'avait dit, en me montrant une statue malienne, une femme, une très belle femme, de l'art Dogon, m'avait dit, tu vois, petit, ça, c'est l'âme de l'Afrique. Et depuis, j'ai apprécié l'art africain. Il me l'a fait connaître. Il en avait d'ailleurs une connaissance extraordinaire. Quand il avait épaté ceux qui avaient fait l'exposition à Dakar, car il savait ça vient de Guinée, ça vient du Mali, ça c'est du Nigeria, etc. Et il ne se trompait jamais, n'est-ce pas ? Il avait une connaissance qui m'avait beaucoup appris. Et donc j'ai appris l'art nègre par lui. Vous travaillez depuis 1961, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, puisque la répétition, c'est la mère de la sagesse. C'est en 1961 que vous avez votre premier poste chef de cabinet du préfet de la Meuse. Pourquoi la préfectorale? Pour faire comme papa? Oui, puis j'étais sorti par les concours comme sous-préfet, mais je savais que ce serait un début pour moi, mais qu'ensuite je m'orienterais vers la politique. Et d'ailleurs, ça c'était en 1961, en effet, mais dès 1963, je suis rentré au cabinet de Louis Jacquinot, qui était ministre d'État chargé de l'Outre-mer à l'époque. Et ensuite, j'étais chef de cabinet du ministre de la Coopération en 1966. C'est à ce titre que j'ai accompagné Malraux au Festival des Arts Nègres. Et ensuite, en 1967, j'ai été chef de cabinet de Jacques Chirac, qui rentrait pour la première fois au gouvernement. Il était secrétaire d'État? Il était secrétaire d'État à l'emploi, le dernier protocolairement du gouvernement. Il était tout jeune. Et je me souviens qu'à l'époque, Christian Fouché, qui était ministre de l'Intérieur du général de Gaulle, me téléphone en me disant, j'étais sous-préfet, il me dit, j'aimerais que vous soyez mon chef de cabinet. Alors je lui dis, je suis très flatté, monsieur le ministre, mais j'ai déjà donné mon accord pour être chef de cabinet de Jacques Chirac. Quoi, ce petit secrétaire d'État? Mais je faisais votre carrière, c'est une erreur énorme. Je lui ai dit, écoutez, l'amitié, ça compte aussi en politique. Et donc, je serai chef de cabinet de Jacques Chirac. Et vous arpentez rapidement, justement, les palais de la République, entre 61 et 68. En 68, je suis élu député. Il y a 7 ans, justement, vous êtes élu député de la Meuse. On peut penser... Député du Calvados. Du Calvados, pardon. Donc, en Normandie. Oui, en Normandie. Alors, on peut penser que derrière tout ça, pour les téléspectateurs qui nous regardent, on peut penser que derrière tout ça planait dans l'ombre la main d'un parrain? Non, si vous voulez, j'ai été élu dans le Calvados parce que mon père avait été 10 ans préfet du Calvados. Et j'avais été élevé en partie à Caen. J'avais été entre le lycée Malherbe de Caen et le lycée Janson de Sailly, je faisais des allées et venues. Et donc j'ai été attaché à ce département où j'avais vécu mon enfance. J'y étais arrivé en 1948, j'avais donc 12 ans. Et mon père y est resté jusqu'à ce que j'ai 22 ans. Donc j'étais quand même marqué par le Calvados, et je me suis présenté, on ne me donnait aucune chance. Le préfet, les renseignements généraux ne me donnaient aucune chance d'être élu. J'ai eu une campagne antisémite contre moi extrêmement forte, car à l'époque, l'antisémitisme sévissait encore. Et on me disait, mais vous n'êtes même pas français, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Puis j'ai quand même été élu, difficilement, au deuxième tour. Et ensuite, j'ai été réélu 5 fois à l'Assemblée nationale, toujours au premier tour. Alors, vous êtes décrit comme le Nostradamus de la politique française. En même temps, vous avez fait des prédictions qui se sont avérées juste par la suite. Vous nous parliez tout à l'heure de votre rencontre avec Martin Luther King. Dites-nous, comment ça s'est passé? Comment vous êtes connu? On s'est connu à ce moment-là, j'étais chef de cabinet du ministre de l'Outre-mer et j'avais entendu beaucoup parler de lui. Et comme je vous l'ai dit, une des valeurs pour moi, c'est de m'entendre avec les hommes qui luttent contre toute forme de racisme. J'ai été choqué par
la manière dont les Noirs étaient traités à ce moment-là aux États-Unis. Et donc j'avais demandé à voir le pasteur et on était devenus vite amis. Mmh. Et c'est en effet dans ces circonstances, peut-être pour lui faire plaisir, mais aussi parce que je le pensais, que je lui avais dit qu'un jour il y aurait un président noir aux États-Unis. Mmh. Et je dois dire que c'était pas extraordinaire de penser ça parce que les Américains, c'était la loi Kennedy, venaient de permettre aux Noirs de rentrer dans les universités, d'y avoir des bourses, et à partir de ce jour-là, un certain nombre de Noirs sont devenus maires, chefs de présidents de société, gouverneurs, et il était logique qu'un jour, l'un d'entre eux devienne président des États-Unis. Le fait que vous ayez prédit à Martin Luther King que Barack Obama, en fait, qu'il y aura un Noir un jour président des États-Unis d'Amérique, récemment, c'est une prémonition qui vous a valu un mot personnel de Barack Obama ? Oui, Barack Obama, c'est-à-dire que le président Sarkozy lui a raconté la prédiction que j'avais faite il y a 45 ans et qui s'était révélée exacte. Et donc Obama, depuis, il vous a la bonne. Des mots, m'accueille toujours chaleureusement. Il faut voir d'ailleurs qu'il a été élu, pas parce qu'il est noir, mais parce que c'est un homme extrêmement brillant, qui a fait les meilleures universités américaines. Et donc... le mérite est récompensé avec lui. Alors, je vais vous montrer une autre photo, si vous permettez. C'est celle de Nicolas Sarkozy. Il y a plusieurs années, je crois au début des années 2000, vous aviez également prédit qu'il sera un jour président de la République en France, après Jacques Chirac. Qu'est-ce qui a forgé cette compte ? Je l'avais prédit et écrit, puisque j'ai écrit un livre à ce moment-là qui s'appelle « Mes présidents », où je faisais le portrait des cinq présidents de la Ve République, jusque-là, c'est-à-dire De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, et où je faisais déjà en 2000 le portrait du sixième, Sarkozy. À l'époque, tout le monde me disait « Mais tu es fou, il n'a aucune chance, ce ne sera pas Sarkozy ». J'ai dit « Si, si, ce sera Sarkozy ». Qu'est-ce qui a forgé en vous cette conviction ? C'est qu'il était adapté à la France d'aujourd'hui. Il fallait un homme moderne qui ose faire des réformes, qui ose bousculer un peu les habitudes. Et je savais que Sarkozy en était capable. J'avais pressenti chez lui cette force qu'il a de faire des réformes. Et donc, je m'étais dit, comme c'est lui qui serait le meilleur pour la France dans la conjoncture actuelle, il faut qu'il soit président. Et donc, j'avais en effet prédit cela, je l'ai écrit. Et Nicolas Sarkozy m'a fait venir, d'ailleurs, au ministère de l'Économie et des Finances. Il est à Bercy à l'époque. Et c'est là qu'il y a la photo dont vous parlez. Et il m'a dit « J'aimerais que tu travailles avec moi ». Vous travaillez à la coopération France-Afrique depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes celui qui a fait, qui a amené Nicolas Sarkozy à revoir son désir de rupture pour l'inscrire plutôt dans la continuité ? Bon, je ne pense pas être le seul à avoir eu cette influence. Je pense que Nicolas Sarkozy le ressentait. C'est pas, être moderne, c'est être adapté à son temps. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir avec l'Afrique les mêmes rapports que ceux qu'on avait il y a 50 ans, quand une partie de l'Afrique était française et une autre partie britannique. On est à une époque aujourd'hui où les rapports doivent être des rapports de partenariat, qui doivent être complètement décomplexés à tous égards. Oui, mais on entend souvent certaines personnes dire que si la France continue à consommer plus qu'un de produits aujourd'hui, c'est parce qu'elle le doit à l'Afrique. Moi, je suis partisan de construire leur Afrique. C'est un axe qui doit avoir comme cœur l'Union pour la Méditerranée. D'ailleurs, la mission dont m'a chargé le président de la République, c'est de faire le lien entre l'Union pour la Méditerranée et l'Union africaine. Et donc, il faut créer un axe Eurafrique entre l'axe Amérique, avec le Brésil, les États-Unis, et l'axe asiatique, avec la Chine, l'Inde, le Japon, etc. Et cet axe doit être non seulement un axe de complémentarité entre les deux continents, qui ont entre eux tellement d'histoires communes, mais aussi un axe de paix. On est dans un monde dangereux. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, l'homme peut disparaître. Car il a trouvé des armes qui ne sont plus à l'échelle de la Terre. Et on sait très bien qu'en une demi-heure, aujourd'hui, s'il y avait un conflit nucléaire majeur, en une demi-heure, l'humanité, malheureusement, disparaîtrait. Ce que croient d'ailleurs un certain nombre de savants et de chercheurs. En parlant de savants et de chercheurs, une autre chance, une autre grâce que vous avez eue dans votre vie, vous avez rencontré Einstein. J'ai rencontré Einstein là quand j'étais enfant. En effet, quand mon père était préfet de Caen,
Il était venu faire une conférence à l'université et mon père l'avait invité à déjeuner à la préfecture. J'assistais à ce déjeuner et Einstein, au cours du déjeuner, avait dit « Il y a une chose que j'aimerais faire, si vous pouvez, monsieur le préfet, mettre une voiture à ma disposition, c'est aller voir Deauville, dont j'entends beaucoup parler, que je ne connais pas. » Et mon père lui avait dit « Bien sûr, je vais mettre une voiture à votre disposition. Malheureusement, je ne peux pas vous accompagner, avait dit mon père, car j'ai le conseil général qui se réunit cet après-midi. » Et moi, j'avais dit, tout jeune enfant que j'étais, « Moi, je veux bien accompagner monsieur Einstein. » Et donc, j'étais parti avec Einstein en voiture de Caen à Deauville, et on était arrivé à un moment donné au casino de Deauville. Et il m'avait dit, en me montrant une salle de jeu, « Tu vois, petit, ne joue jamais, car ta pauvre main humaine contre le râteau du croupier, tu perdras toujours. » Et je n'ai jamais joué. J'ai écouté Einstein. C'est un conseil avisé. Alors, on revient, puisqu'on a dû faire un petit bond en arrière, dans vos souvenirs, excepté des pays comme la Guinée équatoriale aujourd'hui, une croissance quasiment à deux chiffres, on observe une espèce de régression dans l'ensemble du continent noir. La Côte d'Ivoire, le Cameroun ont arrêté de progresser. À votre avis, c'est pourquoi ? On ne peut pas dire cela, n'est-ce pas ? La progression annuelle de l'Afrique avant la crise était de 6%. C'était pas mal. Bon, elle est tombée à 4,5%, mais elle n'est pas tombée plus bas aujourd'hui. Et vous avez aujourd'hui une dizaine de pays en Afrique qui ont un revenu par tête supérieur à celui des pays qu'on appelle le BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie. Il y a 10 pays africains qui ont des revenus supérieurs à ces 4 pays-là, qui sont pourtant considérés comme des pays en pleine progression. Vous avez les pays d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, vous avez la Libye, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Botswana, le Nigeria, etc., sont des pays qui ont un niveau de vie élevé. Et d'autres progressent, peut-être pas encore assez vite. Le Cameroun, c'est 4% à l'heure actuelle par an, c'est quand même pas négligeable. On n'en est pas là, on n'en est plus là en Europe. Mais l'Afrique doit faire mieux. Oui, mais c'est des calculs qui ne correspondent pas à la réalité du bien-être des populations. Si, parce que le niveau de vie part de bas. Alors même quand il s'améliore de 4%, ça ne va pas très loin, ça ne suffit pas. Et les richesses ne sont pas suffisamment réparties, notamment les richesses minières, enfin ce qu'on en tire. Et il y a donc un effort à faire pour que l'ensemble de la population africaine progresse dans son niveau de vie et dans ses possibilités. Aujourd'hui, sur 1 milliard d'Africains, il y a quand même 500 millions d'Africains qui n'ont pas l'électricité. Alors, c'est pas possible que ça dure. Et moi, je crois que c'est l'Afrique, dans les 20 ans qui viennent, qui va connaître le plus fort développement dans le monde. Les 20 dernières années du XXe siècle, c'était l'Asie, la Chine, l'Inde, qui ont progressé de façon spectaculaire et qui continuent. Mais maintenant, ça va être l'Afrique. Et vous verrez que dans les 20 ans qui viennent, vous dites que j'ai un certain don de prédiction. Moi, je vous dis aujourd'hui que dans les 20 ans qui viennent, le niveau de vie africain par an augmentera de 10 à 12%. Comme l'Asie a su le faire. Et à partir de ce moment-là, il y aura un rattrapage formidable de l'Afrique sur les autres continents. Que Dieu vous entende, Olivier Stirn. Mais pour se parler sincèrement, est-ce que c'est l'intérêt de la France que l'Afrique se développe ? Bien sûr. C'est l'intérêt de l'Europe. Mais pourquoi maintenir donc au pouvoir des gouvernements qui sont contre des principes démocratiques et de bonne gouvernance ? Bon, ça, c'est aux Africains de choisir leur gouvernement. C'est pas à la France. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Les Africains choisissent pour les gouverner ceux qu'ils veulent, et c'est très bien ainsi. Et je pense que la plupart des chefs d'État africains sont aujourd'hui conscients de la nécessité de développer leur pays et de développer le niveau de vie de tout le monde dans leur pays. Je pense que cette attitude qu'ils ont aujourd'hui sera encore renforcée dans les années qui viennent. Et moi, je ne suis pas pessimiste donc, sur le choix des Africains de leurs leaders. Vous êtes pour la souveraineté des États. Alors, bien sûr. Mais dites-moi, vous étiez récemment, vous avez assisté au sommet France-Afrique, très récemment à Nice. À quoi sert un sommet comme celui-là ? Celui-là était, à mon avis, très très intéressant parce que justement, il a montré qu'on rentrait dans une époque nouvelle. C'était la rupture
ce n'étaient plus des relations simplement de personne à personne, de chef d'État à chef d'État, avec les liens d'amitié. Ça, il faut le conserver, bien sûr. Mais c'était aussi l'accent mis sur le développement économique réciproque, mutuel, et sur la nécessité d'améliorer l'enseignement, les infrastructures, un certain nombre de domaines où l'Europe peut apporter son concours, mais pas seulement l'Europe d'ailleurs, la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays du Golfe arabe, les États-Unis aujourd'hui envoient des investissements dans ces pays africains, et ça c'est très bien. Et le sommet de Nice a permis de montrer que désormais les rapports entre Africains et Français sont totalement décomplexés. Mmh. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait tous les Africains, c'est-à-dire pas que non seulement les francophones, mais ouais, les lusophones, les anglophones étaient là, et il y a eu d'excellentes relations avec eux. Oui, mais si on veut construire les conditions d'une paix durable, vous en parliez tout à l'heure, qui est un préalable à tout, ouais, hein, est-ce que c'est... On est dans le bon sens quand on exclut des gens comme Béchir. Vous savez, il y a toujours eu... On ne peut faire la paix qu'avec... Il y a toujours eu, malheureusement, dans l'histoire humaine, des drames, des guerres et des difficultés. Ça serait trop simple si tout le monde s'entendait, tout le monde, il est beau, il est gentil. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Hein? Et donc, il faut savoir faire face aux difficultés là où elles existent. Aujourd'hui, l'Union africaine joue un rôle très efficace pour apaiser les conflits là où ils existent. Et ça, c'est très bien. Il se crée en Afrique le sentiment d'une unité africaine. Les Africains se rendent compte qu'ils ont intérêt à se rapprocher les uns des autres. Et moi, je suis très favorable, dans un premier temps, au renforcement des unions telles qu'elles existent déjà, mais qui ne sont pas assez fortes. Il y en a cinq. Il y a l'UMA en Afrique du Nord, il y a le CDAO en Afrique de l'Ouest, la CEMAC en Afrique centrale, le SDAC en Afrique australe et l'EAC en Afrique de l'Est. Il faut renforcer ces regroupements pour que les investissements publics et privés du monde arrivent dans des espaces suffisamment grands et adaptés au monde d'aujourd'hui. Alors, puisqu'on a la chance d'être ici à l'Élysée et avec une figure tutélaire, quelqu'un dont la voix compte, vous allez peut-être nous faire profiter de ce cadre. C'est très beau, les salons. Mais si on essayait de se taper une petite balade dans les jardins pour continuer à évoquer l'histoire en votre compagnie. Avec Olivier plaisir, Stier. Car il faut toujours se rapprocher de la nature. Alors, c'est les fameux jardins. C'est un jardin qui est annexe de celui de l'Élysée proprement dit, et qui est entretenu par les mêmes jardiniers d'ailleurs. Dans les deux jardins sont à côté et ce sont les mêmes jardiniers. Olivier Stream, vous avez travaillé avec De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, aujourd'hui Sarkozy. Si je vous demandais en deux mots de nous parler de chacun de ces personnages, d'abord De Gaulle. De Gaulle, c'est l'homme de l'histoire, c'est un homme de légende. On va fêter le 18 juin, 70 ans après, et ça reste vivant dans l'histoire de notre pays. Donc c'est l'homme de l'histoire. Pompidou, c'était à la fois un homme politique et un homme de lettres. Un homme extrêmement cultivé, qui avait fait Normale supérieure, qui était ami de Senghor d'ailleurs, et d'Aimé Césaire, les deux autres apôtres de la négritude. Giscard d'Estaing, c'est un cerveau exceptionnel. Si vous voulez, c'est une espèce de mécanique intellectuelle, d'ordinateur, qui est capable, vous lui donnez quelques données, en quelques minutes, il vous fait la synthèse, et c'est juste. On analyse. Mitterrand, c'était un homme complexe, Mitterrand. Il était à la fois élu par la droite la première fois, c'était devenu l'homme du programme commun. Il avait été vichiste, puis il a été un grand résistant. Il aimait la famille, mais il en a eu deux, qui cohabitaient presque en même temps. C'est un homme compliqué, mais c'était un homme d'État. Qui a, je crois,
su donner à la France un poids international réel et qui était à la fois un mélange d'hommes d'État et d'hommes lui aussi attachés aux lettres, aux lectures, qui passaient des heures à annoter des romans. Chirac, lui, c'était un mélange de Bonaparte au pont d'Arcole, l'homme qui a du charisme, etc., et de radical socialiste. Et le côté radical socialiste de Chirac faisait que il hésitait, ah ben ça on ne peut pas le faire. Et donc ça compensait un peu son côté plein d'allant qu'il avait au départ de sa vie et qu'il a eu pendant longtemps. Alors de tous ces gens que vous venez de nous citer, lequel a le plus apporté à l'Afrique ? Ben, chacun à leur manière, ils ont tous une politique proche des Africains. Ben, je ne sais pas si je trahis un secret, mais j'ai l'impression que le président Kadhafi avait posé sa tente quelque part. Absolument, là sur la pelouse qui est derrière, il avait installé sa tente, où il a passé deux ou trois nuits ici. On vous sait très proche de ces leaders, finalement. Oui, mais Kadhafi, je l'ai connu déjà du temps de Pompidou. J'avais été à Tripoli à ce moment-là, donc je le connais depuis quand même pas mal d'années, ce qui est le cas de beaucoup de chefs d'État ou de ministres africains qui sont des amis depuis très longtemps. Alors, pour parler de chefs d'État, de ministres africains, on va vous en citer quelques-uns comme ça, pêle-mêle. Si je vous disais Paul Biya. Au Cameroun, j'avais été reçu par, là, ça remonte à loin, par Aïdjo. Qui était le chef de l'État. Le premier président. Premier président. Et qui m'avait reçu à Yaoundé, et avec lequel j'avais été à Douala, je me souviens. Tandis que Biya, je l'ai connu plutôt dans des réunions internationales. Encore récemment, je l'ai vu au Sénégal, pour les fêtes du 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Et je le connais quand même depuis assez longtemps, mais je n'ai pas encore été reçu au Cameroun par lui, je pense le faire dans les mois qui viennent. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, je l'ai connu aussi pour l'instant dans les réunions internationales et je dois aller en Côte d'Ivoire, où il doit me recevoir. Mais je le connais moins que d'autres parce qu'il n'est quand même pas là depuis tellement longtemps. Vous avez connu Omar Bongo ? J'ai très bien connu Omar Bongo car j'ai même été avec Focard pour la première fois en Afrique en Concorde. Aux fêtes de l'indépendance du Gabon, qui sont le 15 ou 16 août. Oui. Et c'était en 73. Et je représentais la France, avec, j'étais membre du gouvernement, à ce moment-là, de Pompidou. Et j'étais avec Focard. Et on s'était posé à Libreville, avec le Concorde, ce qui avait attiré un succès de curiosité extraordinaire. C'est la première fois qu'un Concorde se posait en Afrique. Et ensuite, j'ai jumelé la ville de Vire, dont j'étais le député-maire, avec Franceville, qui était la ville natale de Bongo. Donc j'ai très bien connu. Dans le Haut-Ogooué. Dans le Haut-Ogooué. Et j'ai très bien connu, donc. Et j'ai, d'ailleurs, à Vire, il y a une rue de Franceville. Et à Franceville, il y a une rue de Vire. Donc j'avais des liens étroits. J'ai été d'ailleurs avec le président Sarkozy, naturellement, aux obsèques d'Omar Bongo. Et j'ai eu un long entretien avec Ali Bongo, lorsqu'il est venu à Paris il n'y a pas longtemps. Alors Olivier Sini, je vais vous faire une confidence. Si l'équipe d'un Afro dans le Monde s'est intéressée à vous aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait fortuitement. On a ouï dire, et ça c'est un son de cloche qui nous est revenu énormément dans les milieux associatifs africains, que vous étiez quelqu'un qui donnait beaucoup, qui œuvrait sans faire de bruit et sans compter. Il y a beaucoup de témoignages positifs. Et en parlant justement de témoignages, on a rencontré une présidente d'association, c'est l'association Antoinette Zawo Mayagi, ouais. Qui fait un témoignage chez vous. On l'écoute et puis on revient en parler. Olivier Stirn, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime et surtout j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un homme très investi au sujet de la diversité républicaine, c'est-à-dire qu'il accompagne énormément des associations. Il s'occupe aussi de l'Afrique, c'est quelqu'un qui aime l'Afrique, c'est un humaniste. J'ai fait la rencontre de M. Stirn dans les bureaux de l'Élysée au cours d'une réunion et je n'imaginais pas à quel point un homme politique pouvait être investi et avoir des valeurs qui sont les miennes également. Et c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui s'investit beaucoup, il a énormément de travail mais il trouve toujours du temps pour servir la bonne cause. C'est une personne qui accompagne beaucoup les Africains. Alors, vous êtes d'accord avec ce que nous dit Jevi Koumba ? Oui, Jevi Koumba est une femme originaire du Gabon.
et qui est extrêmement dévouée aux autres. Je crois que ça lui est venu quand elle a vu la maladie de sa mère, soit qui est morte de la maladie d'Alzheimer, ça l'a beaucoup frappée, et depuis ce jour-là, elle a décidé d'aider les gens en difficulté, qu'ils soient en Afrique ou en France d'ailleurs, où elle a des associations qui travaillent, et c'est vrai qu'avec beaucoup de cœur et de dévouement, cette femme fait le maximum de ce qu'elle peut donner en faveur d'associations d'enfants, de vieillards un peu esseulés, etc. Et elle donne un très bel exemple. Et moi, je m'efforce d'aider toutes ces associations ou toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, mais qui font un gros travail humain. Alors, l'autre grand dossier que Nicolas Sarkozy, le président de la République, vous a confié, c'est l'Union pour la Méditerranée. C'est votre bébé, hein ? Non, c'est pas non. Il faut être précis. Il m'a confié la mission de rapprocher l'Union pour la Méditerranée de l'Union africaine. D'accord. Parce que les Africains d'Afrique noire avaient peur de l'Union pour la Méditerranée. Ils redoutaient que cette union ne les coupe de l'Europe. Les crédits aillent uniquement sur les pays qui bordent la Méditerranée. Et donc, il m'a chargé de cette mission parce qu'il savait mon attachement pour l'Afrique noire. En me disant, il faut que vous montriez aux Africains d'Afrique noire que l'Union pour la Méditerranée n'est pas du tout un fossé entre eux et l'Europe, mais au contraire un pont. Et je vais m'efforcer de poursuivre un certain nombre d'activités qu'on va faire dans l'Union pour la Méditerranée, comme par exemple l'énergie solaire ou l'eau potable, de l'étendre aux pays d'Afrique noire et de montrer qu'il y a une unité entre toute l'Afrique et l'Europe. On comprend bien ce désir d'extension, mais il va reposer sur quel point de convergence ? Il va sur des projets communs. Si vous voulez, il y a des besoins, en particulier en énergie et en eau, considérables en Afrique. Que ce soit l'Afrique qui borde la Méditerranée ou que ce soit l'Afrique noire. Les besoins sont les mêmes. Alors, le budget de l'organisation doit être assuré par un fonds des caisses françaises de dépôt et italiennes. Seuls deux pays vont cotiser pour 43 ? Non. Il y a des fonds européens de l'Union européenne qui vont aussi participer, qui participent à un certain nombre de projets. Il y a des fonds arabes du Golfe qui participent. Pour l'instant, ils se montrent un peu frileux. Il y a des avancées ? Il y a des avancées. On a trouvé des financements déjà pour l'énergie solaire et l'eau et la lutte contre la dépollution de la mer Méditerranée assez facilement. Il y a un problème cependant, c'est l'absence de la Libye à l'UPM. Kadhafi veut être présent dans des projets concrets, vous nous en parliez tout à l'heure, comme le solaire, tout en se montrant hostile à la structure globale. Est-ce qu'il pourra être à la fois dedans et dehors ? Oui, vous savez, Kadhafi est un être complexe. En fait, il aurait voulu... Vous êtes peut-être mieux placé pour le convaincre ? Oui, mais j'essaie. Mais il aurait voulu qu'il n'y ait dans l'Union pour la Méditerranée que les pays qui bordent la Méditerranée, au nord et au sud. Il trouve que le fait qu'il y ait toute l'Europe déséquilibre l'Union pour la Méditerranée au détriment du Sud. Or, j'essaie de lui expliquer que le fait qu'il y ait toute l'Europe, au contraire, ça entraîne l'Europe, y compris l'Europe du Nord et de l'Est, vers le Sud, alors que la tentation était plutôt pour ces Européens-là, l'Est. Et d'autre part, je lui explique que ça nous donne des moyens et qu'il n'a pas à s'inquiéter d'une soi-disant prédominance du Nord par rapport au Sud. Nous avons le privilège d'être ici dans les jardins de Marigny et pour cause, nous avons pris rendez-vous avec le ministre Olivier Stirn, aujourd'hui conseiller de Nicolas Sarkozy. Nous poursuivons l'entretien dans un petit instant. Alors, Olivier Stirn, plusieurs initiatives sont en préparation concernant l'Union pour la Méditerranée. On a parlé d'une espèce d'Erasmus Junior qui concernera les élèves du secondaire des deux rives. Ouais. On a parlé de la création d'une chaîne de télé, d'une banque d'investissement. Est-ce que l'Afrique noire est concernée par tous ces projets ? C'est ma responsabilité, c'est mon travail, ça. C'est à moi de veiller projet par projet à ce qu'on les étende sur l'Afrique noire. Est-ce que, par exemple, les échanges d'élèves ne s'arrêtent pas aux pays qui bordent la Méditerranée, mais qu'on fasse aussi
des échanges avec ceux de l'Afrique noire. C'est à moi de veiller, si on crée des universités, à ce qu'il y ait aussi des correspondants en Afrique noire, etc. Mmh. Projet par projet, je veille, c'est ma tâche, c'est ma responsabilité, à ce que l'Afrique noire ne soit pas négligée, et je discute avec les responsables de chacun de ces projets. Alors nous acheminons vers la fin de cet entretien. Déjà, je vous dis tout le plaisir qui a été le nôtre de venir se recueillir à la bibliothèque, puisque vous en savez quand même un tas d'histoires sur l'histoire du monde. Ah, vous allez me faire passer pour un vieillard, mais c'est vrai que j'ai commencé jeune et que j'ai beaucoup vu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur aujourd'hui ? C'est l'avenir de l'Afrique. Je voudrais que ma dernière prédiction, qui est que dans les 20 ans qui viennent, l'Afrique sera le continent qui se développera le plus, se réalise. Jusqu'à présent, les prédictions que j'avais faites n'ont pas été si mauvaises. Celle-là, je veux aider, contribuer à ce qu'elle réussisse. Alors, il est d'usage, Olivier Stirne, dans la pratique journalistique, quand on reçoit un invité, de lui demander en fin d'entretien un dernier mot. Disons que si j'ai pu, petite pierre blanche, aider le monde noir à progresser, pour moi, ce serait atteindre un objectif que je m'étais fixé il y a longtemps et auquel je tiens. Merci Olivier Stirne, c'était un plaisir. Voilà, ben merci beaucoup. Put your hand upon